juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une super année 2019. Voilà, plein de bonnes choses. Maintenant, revenons sur la vidéo. Alors, cette vidéo, c'était soi-disant des nouveaux pop, mais je l'ai tournée le lendemain de la sortie de ces pop. Et malheureusement, je n'avais pas eu le temps de la monter. Du coup, ouais, je la poste en retard. Désolé, j'espère que ça vous plaira quand même. Et on swipe dessus. Allez, go! Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Fortnite où je vais vous présenter ces 4 nouveaux pop qui sont sortis le 22 décembre. Donc c'est il y a pas longtemps, il y a quelques jours. C'est vraiment mais incroyable. Alors ils sont hyper stylés, en plus c'est des récents hein, puisqu'il est assez récent dans le jeu. Et alors là j'ai pas toute la collection, hein, il y en a d'autres hein. Et d'ailleurs si vous voulez voir toute ma collection pop Fortnite et mes hoodies Fortnite, je viens de mettre en ligne une vidéo en même temps que celle-là où en fait bah, je monte tout, vraiment toute ma collection de ce que j'ai en Fortnite. Donc je vous mets le lien de la vidéo en description et vous pouvez tout de suite aller la voir. Alors oui, j'ai pas mis de vidéo en ligne depuis pas mal de temps hein, sur ma chaîne. Bah en fait j'avais des semaines mais de fou. J'avais énormément d'évaluations, de tests. Ouais, j'ai rien pu faire malheureusement. Alors on commence par lequel? Il y a l'aigle de la nuit. Là on a le nomade. Là je sais pas comment elle s'appelle. Et on a Zoé. Allez, on va commencer par l'aigle de la nuit. Lui c'est Burnout en anglais. J'ai envie d'un ticket nouveau, voilà, c'est mieux. Alors c'est un motard, hein. Il est vraiment classe, je trouve ce skin, je l'ai pas moi. Mais ouais, ça fait un skin, il est assez simple mais stylé quoi, ça fait élégant quoi, voilà. Allez, je vous montre de plus près. Alors ce motard, il est armé de sa pioche, je sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais dans mon autre vidéo, je vous montre tous mes produits Fortnite. Et bien je l'ai en porte-clés cette pioche. Sauf que c'est la pioche pour les potagers. Voilà, je me rappelle toujours pas de son nom. Ça va me revenir un jour, vous inquiétez pas. Le voici, ah lui il est classe, hein. Vraiment ouais. Ça fait vraiment bien le style élégant, bien stylé. En plus il est discret, genre il est sombre, du coup on le voit un petit peu moins que les autres skins. Avec sa pioche, donc je me rappelle toujours pas le nom, voilà. Allez, pop suivant, juste avant en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon autre vidéo, si vous l'avez vu bien sûr, où je vous montre les autres pop Fortnite, les saisons s'arrêtent environ vers la saison 3, voilà. Ça s'arrête vers la saison 3, du coup c'est un petit peu plus vieux, et là ça s'arrête jusqu'à la saison 5. Donc voilà, c'est bien plus récent, les nouveaux pop. C'est cool. Bah alors le suivant, on va prendre le nomade. Il est pas mal en pop, j'aime bien. Alors voici le nomade Drift en anglais. Ouais. Il est sympa lui. Alors moi j'aime beaucoup le nomade, hein. Je trouve pas mal ce skin. Il y en a beaucoup qui aiment pas trop, hein. Mais moi ouais, je l'adore. C'est vraiment le skin bien stylé. Ça fait vraiment genre, ça fait un peu maître quand tu l'as. C'est lui, il a même de l'électricité dans sa main. Enfin alors, on le voit pas, mais c'est vraiment ouais, le master, le bon skin quoi. Ah ouais, il est vraiment classe hein. Bon, pour l'instant c'est mon préféré hein, dans ce qu'on a ouvert. Enfin, on a ouvert seulement deux hein, donc voilà quoi. Bon, prendre la pioche, ça bouge un peu. Ouais, alors ce skin il est bien classe, bien détaillé. Ouais, il est vraiment mieux détaillé que les autres je trouve même. Il y a eu son dos avec la capuche. Ouais, hyper classe. Avec l'électricité dans la main, transparente. Et la pioche, bon pendant elle bouge un peu mais toi c'est pas trop grave. Alors maintenant, Zoé de la saison 4. Alors ça date un peu hein. Attendez. Ah non, il y avait Omega dans notre vidéo. Ah non, ça veut dire que l'autre vidéo, en fait, les skins, ça s'arrêtait vers la saison 4. Ah, désolé, j'avais dit la saison 3, mais non. En fait, non, ça s'arrêtait à la saison 4. Donc, la saison 4, c'est quand même un petit peu vieux, hein. Ça commence à dater. Du coup, attendez, j'ai enlevé l'étiquette. Voilà. Donc, oui, c'est un skin de la saison 4. Je sais pas si vous l'avez. Moi, en tout cas, je l'ai. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont, celui-là, parce que... Ouais, ça date, mais sans plus quand même. La pioche, vous pouvez l'avoir gratuitement. Ça, c'était trop bien. Genre, juste en jouant, vous pouvez l'avoir. C'était une bonne pioche hein, pour le début. Enfin, à la saison 3, il y avait déjà eu une pioche hyper classe. C'est la pioche achevée que vous pouvez avoir gratuitement sans avoir acheté le pass. Mais la pioche 7, elle est vraiment pas mal. Hein. Oui, il sera ouvert, on le verra nettement mieux, mais là, on voit rien du tout. Donc, je l'ouvre tout de suite. J'espère qu'il a mis son sac parce que vous savez, ce skin a son costume intégral. On va écouter le sac. Oh, il est beau, hein. La pioche, elle est toute petite. C'est marrant. Waouh, il est trop classe, moi, je trouve. Vraiment. Très joli, très bien fait. Vous avez le petit sac là. Alors ceux qui sont de la saison 4, si vous n'avez pas eu le pass de combat, dites-moi en commentaire si vous avez réussi quand même à avoir la pioche. Et ceux qui viennent du pass de combat de la saison 4, bah dites-moi si vous avez le skin intégral. Allez, on ouvre le dernier. Alors son nom c'est Sparkle Specialist, alors je connais pas son prénom en français. Mais lui il vient de la saison 2, c'est vraiment un skin qui date. Moi je l'ai pas, malheureusement. Et en skin fille, c'est clairement mon préféré. C'est vraiment le skin que je préfère. Alors en pop il rend pas très bien. C'est qu'il est pas hyper beau, je suis assez déçu quand même. On reconnaît pas sa pioche non plus, je sais pas c'est quoi sa pioche. Mais lui vraiment ouais, c'est mon skin préféré. Dans le jeu Fortnite il est juste magnifique je trouve. En fait c'est la fille disco. Il y a le gars disco, il y a la pioche disco. Il y a même le planeur disco qui est hyper classe. Lui c'est mon planeur préféré. Qui est de la saison 2 malheureusement. Donc j'ai pas pu l'avoir non plus. Et il y a la fille disco qui était aussi dans la saison 2. Que je n'ai pas pu avoir.
Voilà, donc vraiment, j'adore ce skin. Dans le dos, normalement, il a des boules à facettes, mais je crois pas qu'il les a là. Donc là, on va l'ouvrir pour voir un peu. Alors, on ouvre. Bon, il a pas de sac, mais là, il fallait s'y attendre. Bon, pas très bien, hein. Bon, là, je suis assez déçu. Il y a quand même le tatouage étoile. Il y a l'éclair qu'on voit très peu. Son pantalon argent. Puis c'est quoi cette pioche? C'est la pioche de base, on dirait. Mais c'est pas hyper ressemblant. Il y a la mèche bleue, ça c'est pas mal quand même avec l'éclair. Ouais, et par contre, je vois pas pourquoi il y a pas les trucs disco là. C'est, ça devait être beaucoup trop petit pour eux. Du coup, ils les ont pas mis. Là, c'est assez dommage parce que c'est un petit peu ce qui faisait le charme de ce skin. Je suis un peu dégoûté là. Alors le voici, hein, moi je le trouve pas hyper classe en pop malheureusement. Ceux qui ont eu la chance de l'avoir avec la saison 2, manifestez-vous en commentaire. Alors on a terminé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, ces skins sont trop classe. Lui, je suis un peu déçu malheureusement. Alors lui, c'est mon skin préféré. Et lui, c'est mon skin préféré en fille, bah oui. Du garçon de fille, voilà. C'est un peu. Le choix est pas trop difficile. Hein. Mais lui, ouais, au total, c'est mon skin préféré. Il est vraiment hyper bien fait, je trouve, au niveau des, de la précision du manteau et tout. Ouais, hyper bien fait celui-là. Dites-moi en commentaire quel est le pop que vous préférez. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez réussi à avoir les autres pop. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Alors, je sais pas qui est sorti et qui n'est pas sorti. Je sais que Ragnarok, il est sorti, regardez. Je sais pas si vous allez le voir. Ragnarok, il est juste là. Là, on a Valora. Là, c'est la voyage. Je sais pas, la voyageuse noire, je crois bien qu'elle s'appelle comme ça. Voilà, c'est le mode du voyageur noir en mode féminin. Il est classe aussi, en plus j'aime bien son sac. Là nous avons... Ah lui c'est un skin assez rare. Que moi j'ai pas, en costume militaire, je me rappelle plus son nom. Il est pas mal lui. Je crois bien qu'il date de la saison, au début de la saison 3 ou 2 je crois. Là nous avons le corbeau, alors on le reconnaît pas trop mais je pense qu'il va rendre super bien quand il va sortir. Et pour finir nous avons là le petit T-Rex. Non c'est pas le T-Rex, c'est le... Triceratops, voilà, c'est la fille Triceratops, c'est un skin que j'adore aussi. Il est un peu ridicule, hein, mais après c'est le principe, hein. Justement c'est ça qui est marrant. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bon je me répète un peu, hein, mais dites-moi en commentaire quel est le pop que vous préférez et aussi celui que vous avez dans Fortnite. Bref, pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut !